Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission au risque de l'histoire. Nous sommes le 7 septembre 1303 dans la petite ville italienne d'Anani, une ville située à quelques 50 km au sud-est de Rome. À l'aube, une troupe de soudards à la solde du roi de France investit le palais pontifical, palais où réside le chef de l'Église catholique, le pape Boniface VIII. Le but de l'expédition est simple. Les hommes de main ont pour mission de s'emparer du souverain pontife afin de le traduire devant un tribunal pour la plus grave des accusations, celle d'hérésie. Pourquoi, tout d'abord, ce procès en hérésie Comment le roi de France, Philippe le Bel, en est-il arrivé à cette extrémité de vouloir traduire le pape devant un tribunal ecclésiastique Qui était d'ailleurs Philippe le Bel et quelle était sa conception du pouvoir A contrario, que défendait le pape Boniface VIII que s'est-il passé enfin à Ananie et quelles en ont été les conséquences quelles ont été les conséquences de cet événement inouï dans l'histoire c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jacques Crinène et Guillaume de Thielois. Jacques Crinène, bonjour Hello. merci d'avoir répondu à notre, invisa... à notre invitation pardon vous êtes historien euh, du droit professeur émérite de l'université de Toulouse et vous venez de publier chez Gallimard Philippe Lebel La puissance et la grandeur qui n'est autre qu'une réflexion sur la conception du pouvoir de Philippe le Bel. Guillaume de Thiolois, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez plusieurs casquettes. En tous les cas, vous, êtes, vous avez passé une thèse de philosophie politique, spécialiste de Jacques Maritain. Euh, vous êtes l'auteur du livre Le Chevalier de l'Absolu, Jacques Maritain entre mystique et politique un ouvrage couronné par le prix Raymond Aron. Et vous avez publié, il y a plusieurs années, ce livre qui est toujours disponible, euh, qui s'intitule Le Pape et le Roi. Euh, dans la fameuse collection des euh, journées qui ont fait la France, donc 7 septembre 1303, le pape et le roi Anani paru chez Gallimard euh, euh, à la euh, fameuse NRF. Alors, je voudrais tout d'abord contextualiser un peu pour nos auditeurs, parce que c'est vrai que Anani, ça ne leur évoque rien, mais c'est un moment absolument décisif dans l'histoire du pouvoir des, des rois et même, je dirais, au-delà dans l'histoire de l'Europe. Jacques Rinen, que représente le royaume et la couronne de France à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle avec ce roi Philippe IV le Bel le royaume de France, c'est euh, autour des années 1300 et déjà depuis quelques décennies, le royaume le plus peuplé euh, de la chrétienté. C'est aussi, euh, aussi le royaume le plus riche. C'est aussi le royaume le mieux administré. Il, les Capétiens ont, ont fait naître euh, de très grands rois et euh, avant Philippe le Bel, il y a deux très grandes figures de monarques. Qui contribue à la dilatation territoriale du royaume, euh, à, à l'augmentation de sa puissance. C'est Philippe Auguste qui règne 43 ans, de 1180 à 1223. C'est son petit-fils Saint-Louis qui, lui, règne 44 ans, de 1223 à 1270. Euh, et de 1226 à 1270, pardon. Et Philippe le Bel qui va régner 29 ans, qui aurait pu régner plus longtemps, mais qui est mort d'un accident de chasse, euh, accidentellement. Et ces 29 années vont, euh, euh, comment dirais-je, provoquer un mouvement d'accélération, de très grande accélération, on pourrait peut-être même dire d'apothéose, de ce mouvement de croissance du pouvoir amorcé euh, à partir de Philippe Auguste et de Saint-Louis, euh, essentiellement. Pour replacer sur le plan européen, on va dire que le royaume de France est la puissance montante qui se développe face au fond à un empire germanique qui, lui, ne cesse de décliner. L'empire germanique est très faible. D'ailleurs, en 1300, il y a un jeu de mots qui court en France, c'est que l'empire, l'empire germanique, tous les jours empire et, et c'est bien, bien la réalité l'empereur le, germanique qui se réclame de, de césar de constantin de même parfois de charlemagne euh, il est d'abord il est élu par une diète il n'est pas héréditaire euh, ce qui était comment une cause de fragilité il est couronné par le pape euh, ce qui explique que beaucoup de papes euh, refusent ou euh, marchandent leur couronnement. Et donc, c'est ce, un pouvoir qui n'est pas dynastique, qui est très faible en comparaison de celui du roi de France, mmh. qui lui est, est sacré depuis Pépin le Bref et qui bénéficie d'une légitimité dynastique absolument incontestable. Mmh. Guillaume de Chélois quel type d'homme était euh, Philippe Lebel on, on le Belon on caricature souvent on, on réduit son règne à la condamnation des Templiers mmh. hein. on connaît tous les rois maudits de Maurice Druon euh, on le voit aussi comme un esprit cupide qui a, a développé le, le système fiscal euh, mais en fait les choses sont bien plus compliquées que cela. Oui, c'est euh, un personnage très très compliqué. Euh, c'est à la fois un personnage du Moyen Âge finissant et un personnage de euh, de l'âge moderne euh, débutant. D'ailleurs, un peu comme Boniface VIII, euh, symétriquement. Euh, Boniface VIII est, est réputé être le dernier grand pape du Moyen Âge, mais c'est aussi le premier grand pape de la Renaissance. Enfin, les, les deux sont vrais en même temps, si je puis dire. Mais euh, pour revenir à, à Philippe Lebel, euh, je pense que ce qu'il caractérise surtout, c'est la, la certitude. Il y a, il y a aucun aucun doute pour, pour lui, mais pour son entourage non plus sur sa légitimité. Ça c'est la première chose. Il est euh, le petit-fils de Saint-Louis. Ça compte énormément euh, dans son éducation et dans sa légitimité. C'est euh, l'héritier du miracle capétien. Euh, pendant 200 ans, il n'a jamais manqué un fils à, à aucun monarque ou un petit-fils à aucun monarque capétien. Ils se sont succédés et ça fait donc euh, 200 ans qu'ils sont sur le, sur le trône sans aucune interruption et sans aucun, sans aucun débat. Ce qui est là aussi très important pour la légitimité. Et, euh, et il bénéficie de tout le travail de ses prédécesseurs, hein, ce, que, ce que disait Jacques Kennan à l'instant sur Philippe Auguste et Saint-Louis. Il bénéficie de tout le travail de ses prédécesseurs. Il bénéficie aussi du développement de l'université à Paris, qui a euh, mis à disposition, euh, si je puis dire, une méritocratie et donc des gens très talentueux pour l'entourer. On enverra un certain nombre autour d'Alani, des légistes, et, euh, et donc maintenant il commence à bâtir ce qu'on appellera l'embryon d'État moderne. Hmm. Donc avec le fisc, avec une armée permanente, avec euh, la curia regis, donc euh, le début du Parlement, avec le début de la Cour des comptes. Enfin, euh, C'est un innovateur absolument fascinant. Hmm. – C'est un, une forme, je ne vais pas l'appeler de révolutionnaire, parce que vous le placez bien dans la continuité de l'action de Philippe Auguste, mais aussi de, euh, de, de Saint-Louis, il faut réhabiliter Philippe Lebel <laughs> ?– Tout dépend euh, de quel point de vue on se place, du point de vue du politique, il faut bien entendu le réhabiliter, parce que c'est quelqu'un qui a très bien su choisir ses, ses conseillers, euh, quelqu'un qui a été fidèle à, à ses conseillers, c'est quelqu'un qui a eu euh, quelques lignes directrices qui n'ont pas, pas varié, euh, c'est quelqu'un de... quelqu qui a on peut le dire en ces termes modernes, qui a déjà le sens de l'État, mmh. comme l'avaient euh, les légistes, c'est-à-dire ces spécialistes du droit. Du droit romain, du droit canonique aussi, qui, euh, qui peuplait son conseil, mais également euh, son administration. Mm. Ce qui se passe sous Philippe le Bel. Alors, euh, quelle est la part personnelle du roi euh, N'est peut-être pas totale, mais euh, c'est que son administration, même son administration locale, c'est-à-dire quelques centaines d'officiers locaux, de juges, d'administrateurs, de... Des, des, des officiers qui lèvent des taxes, des, de simples sergents euh, qui organisent la police locale, euh, ce, ce, ce personnel est de plus en plus instruit, hmm. et de plus en plus instruit de l'intérêt de l'État qui se confond avec celui de, du roi capétien. Est-ce que c'est un homme pieux, Philippe le Bel ah oui, ah oui, tout à fait. Pour, pour lui, le, le sommet de la légitimité, c'est que c'est le petit-fils de Saint-Louis. Et euh, il est vraiment... Euh, à certains égards, on pourrait même dire, c'est un peu paradoxal, là, je, donc euh, ne tirez pas trop la, la chose, mais à certains égards, on peut dire qu'il est plus pieux que Boniface VIII, mmh. parce qu'il a beaucoup plus la foi du charbonnier, en fait, que Boniface VIII. Il est, euh, il, pour lui, il euh, n'y a aucun doute sur le, euh, que l'Église transmet la révélation orthodoxe et qu'il faut se soumettre à, à cette révélation euh, si on veut être sauvé. Et, euh, et son modèle, c'est son grand-père, euh, c'est lui qui. Enfin, évidemment, c'est Boniface VIII qui l'élèvera sur les hôtels, mais c'est à la demande de Philippe Level. C'est un, un dévot de la religion royale qui n'est pas simplement une religion civique, mmh. c'est une religion religieuse, si je puis dire. Mmh. Oui. Oui, il est extrêmement pieux. Et c'est quelque chose que l'on ne rappelle pas assez souvent euh, c'est que ces capétiens, la plupart, la très grande majorité depuis Hucapé, depuis Robert Le Lepieux, euh, sont de, de, de grands dévots et de sincères euh, pratiquants. Euh, C'est le cas de Philippe Lebel qui, euh, toute, sa, tout, toute son enfance, on a des, euh, suffisamment d'indices pour pouvoir l'affirmer, et ensuite tout son règne qui dure vingt-neuf ans euh, se met dans les pas de Saint-Louis. Et ce livre est une véritable imitation, comme on disait au Moyen Âge, une imitation de son, de son grand-père. Mmh. Par, par sa piété quotidienne, par ses, ses gestes de, de dévotion, par les dons qu'il fait à l'Église, euh, à partir du milieu du règne, il multiplie les dons aux, aux Églises, les pèlerinages, les mortifications personnelles, comme Saint Louis. Euh, euh, et à la fin de, de, de son règne, il porte un cilice. Il se fait attribuer la discipline, c'est-à-dire se fait flageller par son, son confesseur. Et il vit d'ailleurs dans, dans une atmosphère euh, qui est à la fois comment dirais-je dans un milieu gouvernemental qui est peuplé de gens d'église, notamment de dominicains. Hmm. Tous ces confesseurs sont des dominicains extrêmement influents. Euh, on sait l'éducation religieuse qu euh, qu'ils lui, qui lui ont fournie. On sait également euh, qu'il n'a euh, rien fait sans être, en, en, pas forcément en accord, mais en, en, en connexion, en dialogue avec les frères, euh, frères mendiants, les frères prêcheurs. Hmm. Alors, nous sommes du côté du Royaume de France. Passons euh, au-delà des Alpes. Euh, la papauté aussi est dans un mouvement de réforme. Ma question par rapport à l'Empire germanique, elle n'était pas anodine. Il y a eu un long conflit entre la papauté et le pouvoir germanique sur ce qu'on appelle la querelle des investitures. On ne va pas revenir dessus parce qu'on a déjà fait une émission. Mais voilà, il y a cette réforme grégorienne qui euh, est encore dans toutes les têtes euh, à la fois du clergé mais aussi de la papauté. Oui, alors, est, enfin, la réforme grégorienne et la suite, parce que derrière la réforme grégorienne, il y a aussi la réforme des frères mendiants, dont, dont parlait un instant Jacques Rinen. Euh, L'Église, euh, comme on a dit plus récemment, est semper réformanda, et donc elle s'est réformée au 11e siècle, elle, se, elle continue à se réformer au 13e. Et, euh, et notamment les, les frères prêcheurs et les frères mineurs un, 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 contribuent beaucoup à cette réforme de, de l'Église, ça influence beaucoup, euh, y compris jusque dans la curie romaine. On, on, on caricature beaucoup les cardinaux comme étant des, euh, des princes temporels, ce qu'ils sont par ailleurs, mais ça reste aussi, euh, d'abord beaucoup sont des protecteurs euh, de congrégations, beaucoup ont des vies euh, spirituelles tout à fait édifiantes, et euh, juste avant Boniface ils, ils viennent délire un... Un, un ermite euh, tout à fait surprenant. Si on pense l'Église uniquement en termes politiques, c'est très étrange que des gens aussi impressionnants que les cardinaux euh, du Moyen Âge aillent se mettre à genoux devant un, un ermite. Euh, J'allais dire quasiment analphabète, c'est pas évidemment pas le cas, mais, euh, mais très loin du gouvernement de l'Église. Et pourtant, euh, voilà, les cardinaux sont aussi dans cette logique-là, et Boniface VIII aussi. Alors ce, ce pape euh, qui a été élu, on en a parlé ces dernières années, oui, oui, après la renonciation de Benoît XVI, c'est Célestin. Célestin V. Et Célestin V va renoncer. D'ailleurs, après, euh, évidemment, les... va se poser la question de la légitimité euh, de euh, Boniface VIII. Est-ce qu'il euh, y a une contestation de cette légitimité ou le fait que voilà, il a été élu et qu'il y a eu une renonciation en bonne et due forme, même quasi théâtrale de Célestin V, eh bien euh, amène euh, l'entourage euh, et les couronnes à accepter euh, Boniface VIII tel qu'il est, à savoir le pape de l'Église catholique. Alors, il n'y a pas de contestation sur le champ, euh, mais assez rapidement, quand il y aura un affrontement notamment entre les cardinaux Colonna et Boniface VIII, Très rapidement, les colonnas, qui sont par ailleurs protecteurs de certains frères mineurs, utilisent beaucoup les arguments un peu radicaux de ce qu'on appellera plus tard les Fraticelli sur le fait que Boniface VIII est à la fois l'antéchrist et l'usurpateur du pape angélique. Donc vous voyez la logique un peu millénariste de Joachim de Flore avant, qui décrivait cet affrontement entre le bien et le mal dans l'église. Célestin V était le pape angélique, c'était celui qui allait apporter la réforme, et Boniface VIII, par ricochet, devient l'antéchrist. Les colonnades ont beaucoup utilisé ça. Euh, Philippe Lebel a un peu caressé cette, euh, cette idée-là. Lui-même s'est bien gardé d'aller jusqu'au bout. D'accord. Alors, Boniface 8, c'est un personnage qui est assez fascinant. Alors, je. Voilà, on n'a pas pu inviter sur ce plateau euh, euh, comment, euh, Agostino. Agostino Paravicini Bagliani, qui est le grand historien médiéviste euh, en Italie, auteur de très nombreux euh, ouvrages, et notamment de la seule biographie hein, consacrée à ce pape, euh, Boniface VIII, un pape hérétique, ce qui si veut tout dire, point d'interrogation, euh, bien évidemment. Qui est ce Boniface VIII On le présente comme le champion de la théocratie pontificale qu'est ce que la théocratie pontificale et quel type de personnage est il? La théocratie pontificale, c'est euh, en même temps euh, une doctrine une... qui a des prolongements immédiatement pratiques que développent les papes lentement à partir de Grégoire VII, euh, qui grandit sous Innocent III, qui éclate euh, sous Régard 9 et Innocent IV, et qui va exploser, si je puis dire, <laughs> sous, avec Boniface sous le règne de Boniface 8, euh, c'est cette idée que, euh, euh, alors d'abord, la théocratie est relativement modérée dans ses expressions, c'est l'idée fondamentale, c'est qu'il euh, euh, y a deux pouvoirs, deux glaives, Dieu a, a confié deux glaives pour le gouvernement du monde, un glaive. Temporel qu'il a confié au roi, qui est confié au roi, un glaive spirituel qui est confié euh, au, au Saint Siège, au pape. Euh, alors à partir de là, on commence à partir de saint Bernard, XIIe siècle, à, à expliquer, à, à prêcher que le pouvoir spirituel est supérieur au, le, le glaive spirituel est supérieur au glaive temporel et que le pape peut juger le glaive temporel, c'est-à-dire les rois, les princes, en raison de leurs péchés. Hmm. Donc, il peut intervenir. Rationner Pécati. Rationner Pécati, donc par un certain biais, c'est le biais spirituel, sur le gouvernement des, des rois. Mm. Et puis, progressivement, au XIIIe siècle, les Innocents IV, Grégoire IX, prétendent juger les princes, même l'empereur, les rois, en fonction de leurs fautes politiques, donc intervenir dans leur gouvernement. Il mm. en franchit un cap. Et c'est dans cette voie que va abonder. Euh, Boniface VIII dans ses bulles euh, qu'il fulmine contre Philippe le Bel euh, qui vont provoquer ensuite l'attentat d'Anani euh, euh, où il va considérer que l'occident euh, chrétien, la chrétienté doit être réduite à l'unité on appelle ça la réduction ad unum réduite à l'unité sous euh, le, le gouvernement euh, non seulement spirituel mais également temporel du pape et donc il y a un seul souverain il n'y a plus deux glaives. S'il y, y a deux glaives, il y a un seul souverain qui coifferait les deux, qui délèguerait le glaive temporel. Mmh. Et donc la théocratie pontificale, cette idée que le pape est représentant du Christ sur terre, il hérite de cette unité et, et que, et, et que les, 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 les souverains politiques euh, sont souverains peut-être chez eux, mais pas dans le monde chrétien. Alors il y a cette conception du pouvoir, mais il y a aussi au-delà euh, une question d'argent. Une question aussi de nomination, la nomination euh, des évêques, c'est un sujet euh, sur, bah, qui constitue vraiment un, un, un point de friction entre la couronne de France et, euh, et la papauté. Il y a, du point de vue canonique, il y a des, des immunités cléricales, donc l'immunité fiscale. Les princes temporels n'ont pas le droit de lever l'impôt sur, sur les clercs, ce qui fait que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ça sera un don gratuit. Dans la pratique, c'est un impôt, hein, mais, mais ça, on, on maintiendra toujours cette mythologie du don gratuit pour éviter d'empiéter de, sur les immunités fiscales. Et, et deuxième immunité, un prince temporel ne peut pas juger en spécialement un évêque. Et donc, euh, Philippe le Bel cochera, si je puis dire, toutes les cases, parce qu'il a violé et les immunités fiscales et les immunités judiciaires. Mmh. Mais Saint-Louis avait commencé. Saint-Louis avait commencé. Et, avait commencé, avait commencé, et ouais. on peut même trouver des, euh, des, des, des comment dirais-je, des preuves de ces, ces violations répétées des immunités ecclésiastiques avant, 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 avant Saint-Louis. Et, et Saint-Louis en fait de peu d'être excommunié, d'ailleurs, pour ça. En fait, ce qu'on ne souligne pas assez, me semble-t-il... Euh, dans l'histoire des, des relations de l'église et de l'état au moyen âge en, de, en tout cas de, de la royauté française et du saint-siège euh, on ne souligne pas assez que les rois de france euh, dominent leur église très tôt leur clergé leur clergé parce que euh, en tout cas dans, le, dans la moitié nord du royaume euh, ils sont présents dans toutes les nominations. Il n'est pas un évêque, pas un, un, un abbé qui ne soit nommé à la tête de son abbaye ou de son évêché euh, sans que le, le, le roi de France soit intervenu. Et en plus de cela, le roi de France euh, intervient dans bien d'autres euh, no, nominations. Donc il a, il a déjà son clergé en main. Il, on n'imagine pas une séparation de l'Église et de l'État, ça n'existe pas. Mmh. Euh, non. Et alors, au plan des idées, on imagine une distinction euh, du temporel et du, du spirituel. Euh, dans la, les pratiques politiques, administratives, mmh. euh, judiciaires, euh, il y a imbrication. À très longtemps, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le clergé euh, euh, servira dans différents services de l'État, ne serait-ce que mmh. dans la diplomatie. Mmh. Donc, il n'y a pas cette, cette séparation. Et, et il y a. Alors, ce qui est. Très intéressant sous le règne de Philippe le Bel, qui était une des, des, des marques haut les plus originales, les plus, en tout cas les plus frappantes de ce règne, c'est qu'il se produit une véritable une accélération du phénomène d'inclusion du clergé gallican, du clergé français, dans, dans ce qui est en train de, de devenir l'État. Mm. Et ce clergé devient, bon gré mal gré, Obéissant au roi pour tout ce qui est temporel, mmh. c'est-à-dire pour tout ce qui est fiscal, pour tout ce qui est judiciaire. Mmh. Et donc derrière les grandes idées, théocratie pontificale, indépendance du pouvoir euh, temporel, euh, derrière ces, ces grandes idées, il y, y, y a des intérêts très terre à terre, qui sont des intérêts matériels, qui sont des intérêts financiers, des intérêts de, 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 de puissance. Et les, 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 ce ne sont pas que des débats, ce sont des luttes extrêmement virulentes. Qui vont dès l'époque de Philippe de Belleville vers l'incarcération de Prélat, hum. la et... mise aux arrêts de Prélat, et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à Bernard Cessé. et c'est ce qui va en, entraîner l'escalade jusqu'à Jusqu Anani. Alors justement, Bernard Cessé, parce que vous avez parlé de bulles d'excommunication, euh, et en tous les cas d'échanges, il y a des échanges de, de, de textes. Voir quelles sont les origines d'Anani, quels sont les éléments historiques qui amène à cette, crise, euh, à cette crise majeure en 1303 Alors, déjà, déjà, il y a deux, euh, deux séquences, il y a ce qu'on appelle les deux différents. Il y a un premier différent fiscal, puis un deuxième différent euh, judiciaire. Le premier différent... Euh, Consiste à ce que euh, Philippe le Bel, pour financer ses, euh, ses guerres, demande au clergé de payer. Les, euh, le clergé se fait un peu tirer l'oreille, rappelle les immunités ecclésiastiques. Ça remonte jusqu'à Rome et Rome dit attention, euh, euh, même le clerc qui donnerait volontairement était ce communier, il faut l'autorisation du Saint-Siège. Donc il euh, y a un affrontement assez dur à ce moment-là. Philippe le Bel ferme les frontières du royaume alors, euh, de, de France vers, le, vers la cour romaine et euh, finalement le pape se calme un peu. Et il y a une première trêve, euh, sanctionnée notamment par la canonisation de Saint-Louis. Donc à ce moment-là, euh, ils s'entendent bien, si je puis dire. Et puis là, le conflit reprend très vite après. Euh, il y a un deuxième sujet qui est le, le fait que vous savez que la France est arrivée depuis peu euh, dans le Languedoc. Et Bernard Cessé est un, un clair influent du Languedoc euh, fait deux, trois réflexions pas très flatteuses sur la légitimité des Capétiens. Philippe Lebel n'était pas homme à se laisser euh, traiter comme ça. Euh, dit euh, au métropolitain euh, Vous le gérez, sinon c'est moi qui gère. Le métropolitain se fait un peu tirer l'oreille, mais il le fait quand même. Et euh, l'évêque se retrouve en prison. Et euh, donc, c'est à ce moment-là que euh, le deuxième différent qui va amener à Anani commence. Euh, Boniface VIII rappelle qu'il est seul juge des évêques. Et euh, donc là, il y a un, un débat assez dur, et euh, ce débat va amener à Anani, en, en, Là aussi, en deux temps, avec un, une première mission de Guillaume de Nogaret, qui est, le, est un peu la, dans la légende noire, c'est l'âme d'année de Philippe le Bel, qui est présent à Anani. Guillaume de Nogaret, il va, euh, va en Italie au départ pour euh, nouer des alliances diplomatiques, notamment avec les Colonna et les adversaires de Boniface VIII. Pour, mettre, pour isoler Boniface VIII et le forcer à négocier. Et puis, euh, comme l'histoire s'accélère, il a un, un deuxième mandat qui consiste à, juger, à saisir le pape pour le juger pour hérésie. Et donc, c'est à, à, à ce moment-là qu'a qu qu lieu cet attentat. Je vais y revenir sur cet attentat, mais je voudrais euh, voir, quand même, pour bien se représenter, sont deux hommes qui sont complètement différents. Enfin,. Le, Philippe Lebel est jeune, il a une trentaine d'années si, si je ne me trompe, tandis que euh, y a, y a, enfin, y a 40 il y a enfin il ans les, de différence entre les en, en, entre les deux personnages. Ils ne se sont jamais euh, rencontrés, c'est bien cela Ah si, si, si. Ils se sont ils rencontrés. rencontrés. Euh, Peut-être ils se sont tout quoi, ils se sont croisés puisque il a été euh... Boniface VIII a été cardinal légat en France. Il a été envoyé à Paris régler certains problèmes. À Paris, d'ailleurs, avant, avant de devenir pape, avant 1294, il a maillé à partir avec l'université, avec les théologiens de l'université, les mendiants notamment. Donc, si, si, il se, il, se, il, se il se connaissait bien. De même que Boniface VIII était en, relative, en, en, en bonne. Euh, comment dirais-je en bonne amitié avec Pierre Flotte, qui a été le premier à s'emporter contre, contre, enfin, qui a été à l'origine du déclenchement du mouvement qui allait conduire vers, vers Anani euh, Non, ce sont des hommes totalement différents. Et euh, il y en a un qui se rapprocherait de Saint Louis dans son comportement euh, privé et, et gouvernemental. <laughs> qui se rapprocherait de la sainteté, c'est Philippe Lebel qui, comme je le disais tout à l'heure, est un homme extrêmement pieux, un, un, un dévot, un fanatique de la religion, de la, de la pureté du message religieux, parce qu'il est influencé par les mendiants. Et puis, vous avez ce, ce pape qui est un drôle de pape quand même, qui est impulsif, irrulent, colérique, qui est complètement mégalomane, euh, pour lui et pour l'Église. Hein, euh, et mégalomane et très extrêmement narcissique, comme euh, le, montre le montre <laughs> bien le livre de M. Paravicini. Et donc, euh, voilà, il est évident que ces deux tempéraments euh, ne être. Pouvaient que, que, que s'opposer ou le jour où il y aurait un, un problème politique qui, qui surgirait, qui surgirait entre eux. Mmh. Mais c'est pas c'est pas qu'une affaire de tempérament. Hein. Euh, D'un côté, vous avez un roi de France qui euh, se proclame euh, parce que et qui fait proclamer euh, et qui laisse proclamer partout qu'il est le plus chrétien des rois. Et de l'autre côté, euh, vous avez euh, un, un pape qui, pro, qui proclame qu'il est seul le représentant de Jésus-Christ sur terre mais qui a une conduite personnelle euh, très, très, <laughs> comment Très contestable. Très, – Très, très contestable, parce que même les historiens de Boniface VIII, comme Jean Coste, euh, montrent bien que les accusations dont il a été euh, l'objet qu'on euh, a toujours considéré comme extrêmement outré de, de Guillaume de Nogaret, euh, les accusations de sodomie, par exemple. Euh, bon, il n'y a pas de preuves, il n'y a aucune preuve, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas été. Mmh. Donc, euh, voilà, vous avez... Un roi qui approche, qui veut se rapproche de la sainteté, et puis un pape de l'autre côté qui qui, est, qui anticipe sur les, les Borgias. Vous voyez, euh, donc, premier pape de C'était explosif. Guillaume de Tielloin. Juste un, un, un mot sur le fait que c'est un étrange pape. Euh... – Moi sur ces péchés personnels, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'informations et donc je, je pense qu'il y a beaucoup de, de légendes noires aussi sur Boniface VIII mais il y a des choses qui sont publiques, attestées y compris par les soutiens de Boniface VIII c'est ces déclarations objectivement sacrilèges, par exemple il dit euh, il faudrait être un, le dernier des imbéciles pour croire à la Trinité, il faudrait être le dernier des imbéciles pour croire à la, Virginie, la, la Vierge la Marie. Marie et donc il faut, il faut se mettre à la place d'un homme qui a la fois du charbonnier comme Philippe Lebel, évidemment je ne crois pas que Boniface VIII doutait du dogme de la Trinité, mais je crois, euh, en revanche, qu'il voulait montrer à quel point il était supérieur justement à la foi du charbonnier, et, euh, et donc, le, ces témoignages-là, c'est certain, c'est pas, pas du tout, euh, c'est pas de la propagande royale, c'est vrai, c'est attesté, y compris par les soutiens de Boniface VIII, et il est et donc certain qu'il a fait ces déclarations-là, et donc il faut comprendre aussi que dans le camp d'en face, si je puis dire, évidemment, c'était très facile à exploiter d'une part, et d'autre part, euh, Philippe le Bel, je pense, a été réellement, sin euh, sincèrement choqué par le comportement du pape. Mmh, mmh. – Alors, il y a, avant Anani, il y a des textes de condamnation. Est-ce qu'il sera excommunié, Philippe Lebel – euh... Vas-y, vas-y. – Vous me corrigerez. <laughs> euh, – Non, il, il a failli l'être, ah oui. mais la, la, la bulle d'excommunication était prête 4, 5, 6 jours avant le 7 septembre 1303, en fait, parce que c'est le... la bulle, ouais. le, 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 la bulle super soliopetrie. Mmh, mmh. euh, simplement, Nogaré et les Colonna surgissent à Nani, et elle n'a pas eu le temps d'être fulminée. Mmh. Alors, euh, par contre, de 1296, surtout de, de l'arrestation de Bernard Seillier en 1301 jusqu'en 1303, les menaces sont, euh, sont larvées, elles sont, elles sont constantes. Euh, le, le pape envoie même euh, à, à Paris le cardinal Lemoyne qui, euh, qui est chargé de, de, de dire à, à Philippe le Bel Bon, maintenant, si tu ne rentres pas dans le rang de l'Église, eh bien, on va t'excommunier. Pourquoi une expédition militaire Donc, venons-en à Anani, hein, cette, cette fameuse euh, journée du 7 septembre 1303. Pourquoi une expédition militaire alors que. Euh, on a l'impression, au fond, d'un conflit qui est un conflit juridique. Euh... Oui, alors, évidemment, mais, mais ce conflit juridique est un conflit un peu limite. Donc, euh, concrètement, il faut demander au pape de juger Benedetto Caetani, c'est-à-dire lui-même, pour hérésie, à défaut, lui signifier qu'il est contumace, qu'on va le juger par contumace devant le Sacré Collège qui a été fait par Boniface VIII, et donc, à défaut, le juger devant le Concile Général, euh, et donc, et spécialement, les évêques de France. Euh, donc, euh, évidemment que tout le monde savait que les deux premières étapes avaient peu de chances d'aboutir, et donc, il fallait se saisir de la personne du pape, pour le faire passer en France et le juger en France. Euh, et donc, pour, le saisir, pour saisir le pape, alors qu'il a évidemment une garde, c'est un prince temporel aussi, le pape. Donc, euh, pour se saisir, il faut, euh, il faut une expédition militaire. Et pour ça, bah, nogarès s'appuie sur les adversaires euh, temporels italiens du pape, donc les Colonna d'abord, mais aussi euh, beaucoup de seigneurs d'Anani, qui ont été moyennement enthousiasmés par l'ascension la, la, de la famille Caetani, qui devenait un peu encombrante euh, à Anani. Caetani, donc la famille, la famille du VIII. pape Boniface VIII. Parce qu'évidemment, euh, Boniface VIII a fait ce que beaucoup de papes, notamment à la Renaissance, ont fait. Il a fait du népotisme, donc il a donné plein de terres à, à ses neveux, il a donné des, des bénéfices à ses neveux, et, et et donc tout ça devenait un peu étouffant pour les vieux euh, seigneurs d'Anani. Et, et clairement, la, la porte d'Anani a été ouverte par des habitants. Ce n'est pas, pas les militaires de l'extérieur qui l'ont ouvert de force. Alors les habitants vont jouer un rôle. Guillaume de Nogaret, euh, Chiara Colonna, ce sont les deux personnages euh, donc, euh, centraux euh, qui agressent, au fond, euh, le pape. Racontez-nous un peu la scène. Pardonnez-moi, Jacques. Oui, oui, ils agressent le pape, ça c'est absolument certain. Le pape est bousculé. Bon, l'histoire de la gifle, il n'a pas été giflé, en tout cas pas par Nogaret, pas du tout. Nogaret s'est même flatté ensuite de lui avoir sauvé la vie. Mais non, mais attention, euh, je disais que Boniface VIII n'était pas un ange. Il a, fait, il a fait la guerre au Colonna. Il a fait la guerre au Colonna. Il a rasé Palestrina. Il a rasé Palestrina. Il a fait des morts, il a fait des victimes, il s'est emparé, il emparé de, leur, de, 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 de leur fortune, de leur château. Euh, voilà pourquoi cette expédition. Hein. D'un côté, en France, il y a des, des, un, un gouvernement royal et un roi qui, quand même, ne veut, ne veut pas tolérer euh, que quelqu'un le traite comme un petit enfant. Hein, et que, Bonifaciste ben, ben, s'adresse à Philippe le Bel en disant Écoute, mon cher fils, je vais tout t expliquer, tu n'as rien compris. Voilà, c'est un peu ça, ces bulles. Voilà. Et, et ensuite, il y a ce roi de France qui veut pouvoir juger un évêque si cet évêque, euh, comment dirais-je, n'est pas fidèle au, au roi. Euh, un roi de France qui veut imposer son clergé parce qu'il a, a besoin de se procurer de l'argent pour sa diplomatie, pour ses guerres, etc. Et de l'autre côté, il y, a un, il y a une famille Colonna qui est alliée avec d'autres familles, euh, de et même d'Italie, euh, qui, euh, qui, 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 qui veulent continuer la guerre euh, contre ce pape qui... Hein, qui est... mm. D où, d où qui a fait leur malheur ouais. et, et les, les colonna sont obligés de fuir après le le comment dirais-je le martyr de Palestrina ils sont obligés de fuir en France et de vivre comme des pauvres bougres et c'est là que commence une propagande euh, qui va beaucoup intéresser Nogaré Nogaré lui va augmenter les griefs des, des, des cardinaux des, des anciens cardinaux de colonna augmenter leur grief en passant du simple fait qu'il est, qu est mal élu au fait qu'il est sodomite, hérétique, mmh. etc., etc. Il y a des morts dans l'assaut du palais pontifical Il y a quelques morts. Euh, objectivement, c'est un événement qui, du point de vue strictement historique, est très, très modeste. Il y, y a eu mille prises de cités italiennes beaucoup plus mortifères que celle-là. Il euh, y a eu des morts quand même. Euh, un et, cardinal et, notamment, un hongrois Il y, 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 y a un cardinal, il y a, y a, y a, y a... Il euh, y a surtout le fait que pour beaucoup de gens, enfin, en fait, la, la, la dimension symbolique est colossalement plus importante que la dimension euh, tangible, si je puis dire, parce que c'est la première fois qu'un prince temporel euh, ou que des seigneurs temporels euh, osent toucher à la personne sacrée du, du pontife romain. Et, et, et puis, euh, pas, 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 pas par hasard, c'est euh, enfin, délibéré. Ils sont rentrés dans Ananie pour ça. Et donc, euh, voilà, c'est ça qui fait que c'est un, un énorme événement. Plus que le pillage a été, paraît-il, gigantesque. Il y a des descriptions absolument homériques du pillage. Donc, pour le coup, c'est la populace d'Anani hein, qui pille. Ce c'est pas du tout Nogaret. Ce n'est même pas tellement les, les soudards de, de Sierra Colonna. C'est euh, la populace d'Anani qui se sert copieusement sur le dos des cardinaux. Parce qu'il faut, faut voir aussi comment on est à cette époque-là. Euh, le, le pape vient avec toute la cour pontificale. Donc, il y a, il y a plusieurs cardinaux en ville et ils viennent avec la cassette du, du Saint-Siège, ils viennent avec les, chacun leur propre cassette, donc il y a des, des millions euh, en ville, et donc euh, tout ça s'est un peu évaporé. Il y, a, il y a une très jolie chronique qui finit en disant Et même un vase contenant le lait de la Vierge a été brisé, <laughs> ce que je trouve absolument charmant. Mais euh, voilà. Donc C'est surtout le pillage en fait, qui a été plus impressionnant que, la, que les violences elles-mêmes. Euh, je crois que Boniface VIII a été très impressionné par les violences parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Il est dans son lit, lui. Oui. Enfin, il est dans enfin, son lit. Il, dans... il, il, il reçoit dans son lit. Alors, c'est une scène symbolique oui, absolument. absolument incroyable parce que. Boniface VIII, c'est aussi celui qui est le premier pape à se faire représenter. Absolument. Et donc, il a le sens du symbolisme. Absolument. Et euh, ceux qui vont dans les caves du Vatican peuvent voir d'ailleurs un de ses tombeaux. Euh, et il, enfin, il est dans son lit, il a la tiare pontificale, les clés de Saint-Pierre. Et il se, fait, euh, en fait, il se fait molester Alors, il, il, euh, en fait... Euh, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, ce, ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu la gifle euh, dont tout le monde parle. Euh, il n'est pas absolument exclu que Chiara Colonna ait voulu porter la main sur euh, Boniface VIII. En tout cas, il était très désireux de le faire, euh, mais Nogaret avait pas du tout intérêt à ça. Et, euh, et donc Nogaret a fait monter très vite les, les armes de France sur le palais pontifical pour dire maintenant il est sous ma protection. Mmh. Et euh, donc c'est ça qui a empêché euh, probablement. Donc euh, Nogaret s'est effectivement vanté d'avoir sauvé la vie du pape. Et je pense que c'est assez raisonnable de, de le penser, même si je ne pense pas que Nogaret avait beaucoup d'estime pour ce pape étrange. mais, euh, mais... Et donc il, a, il avait besoin du pape vivant pour répondre de ses crimes d'hérésie euh, de l'autre côté des monts. Mm. Mais euh, donc euh, il y a une, oui, une forme de molestation quand même. Euh, L'intrusion de Soudard dans la chambre pontificale est déjà en soi une violence pour, pour les hommes du temps. Euh, encore une fois, il y a eu des morts autour. Hein, donc euh, je comprends quand même que l'image de violence est, est perdurée. Mm. Jacques Rinène. Oui, il ne faut, il faut pas trop.. Évidemment, c'est un événement très fort, très... Inouï. Inouï. inouï mais qui, 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 qui se comprend à la lumière de, de, comment dirait, de certains mouvements de pensée dans l'Église. Parce que ce qu'on appelle le, le, le conciliarisme, c'est-à-dire cette idée que le Concile, que le Pape n'est qu'un représentant du Concile, que le Concile représente l'Église et que si le pape est mauvais, le concile peut juger le pape, mmh. cette idée est déjà très présente dans les années 1300, mmh. très présente de chez beaucoup de théologiens, notamment de l'Université de Paris, chez des théologiens mendiants. Et, et euh, c'est pour ça que Nogaret se sent, parce qu'il y est encouragé, il faudrait voir. Ses soutiens sont extrêmement nombreux. Hein. Mmh. Ce n'est pas un individu, un fanatique tout seul qui dit, oh, Philippe oui. le Belge, on va s'emparer du pape. Non, traîner le pape, le forcer le pape à convoquer un concile à Lyon, notamment, pour qu'il accepte d'être jugé sur ses fautes, c'est une idée. Euh, comment dirais-je, qui, ah, qui, qui est en train de, 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 de grandir dans, euh, certains, euh, dans certaines euh, franges du, du clergé séculier, mmh, mmh. Hein, du clergé régulier. Donc, ce n'est pas tout à fait euh, ahurissant de voir que quelqu'un va s'unir aux adversaires italiens du pape pour s'emparer de sa personne. Ce n'était pas irréaliste. Mmh. Alors, je me permets de renvoyer nos téléspectateurs à. Une émission que nous avons réalisée sur le conciliarisme, sur les conciles médiévaux et euh, précisément ce, cette lutte de pouvoir entre la conception euh, des, des papes et la conception euh, du concile. Le pape est emprisonné, donc il est placé sous la protection de Guillaume de Nogaret, de la France. Euh, il est vite libéré. Ouais, dès le lendemain. En enfin, fait, donc, il est pris le 7 septembre. Le 8 septembre, c'est la grande scène de, de la Nativité pardon, de la Vierge. Et donc, rien ne se passe. Et le 9 septembre matin, la population d'Anani, qui l'a... Euh, qui est la première cause, hein, la cause prochaine de son arrestation, euh, et aussi la cause prochaine de sa libération. Donc c'est elle qui rentre dans la, dans la chambre pontificale et dit Très Saint-Père, maintenant vous êtes sous notre protection. Mmh. Parce que la population avait peur qu'il soit assassiné et que le nom de la ville d'Anani soit assassiné à la mort d'un pape et, et, et surtout, ils avaient peur de, de la conséquence. Euh, les assassinats de papes, c'est arrivé plusieurs fois au Moyen Âge en, en Italie. Euh, ce, qui ce qui inquiétait surtout, c'était euh, le fait que donc, cette arrestation est assez délibérée. Et donc le, le risque que courait la ville d'Anani, c'était de se retrouver sous interdit, c'est-à-dire interdiction de célébrer les sacrements euh, pendant une durée euh, éventuellement illimitée. Et ça, pour les hommes du Moyen-Âge, c'est probablement la punition la plus grave qu'on puisse imaginer, bien plus grave que toutes les amendes possibles et imaginables, ne pas pouvoir euh, se confesser, communier, etc. Et pour eux, se marier, enfin toute la vie est dépendante de, de la vie sacramentelle. Hmm. Si vous êtes sorti de l'église, c'est pour ça que les communications est un, oui. un châtiment assez dur, oui. euh, c'est que si vous êtes sorti de la vie sacramentelle, vous ne pouvez plus avoir de vie sociale. Oui. Et, euh, et donc, euh, je comprends que les, les notables d'Anani euh, disent, oh, oh calme-se. Mmh. Il, il y a eu une course de vitesse quand même, mmh. parce qu'on euh, sentait bien en France que Boniface VIII préparait une excommunication. Et donc, si Nogaret file très vite après la bulle, une, axe, une âme sanctam euh, file en Italie pour s'emparer de la personne du pape, c'est pour, euh, pour euh, empêcher cette excommunication. Philippe le Bel aurait été tout de même très ennuyé. Hmm. si cette excommunication avait été véritablement fulminée. Hmm. D'autant que ce, les textes qu'on a de la bulle, le, donc qui, qui encore une fois n'a pas été fulminé, mais les textes qu'on a de Boniface suite préparant la bulle d'excommunication de Philippe le Bel, euh, ne s'arrête pas à l'excommunication, mais va au cran encore au-dessus, qui est la déposition, ce qui est pour le coup un, un acte très rare. Il y a beaucoup de princes qui ont été excommuniés au Moyen Âge, mais la déposition c'est rarissime. Et euh, donc la déposition, c'est délier les, les fidèles, les sujets du de gouvernement de fidélité, et donc instantanément de livrer le Royaume de France à l'anarchie. Boniface VIII aurait préféré la mort plutôt que l'abdication. Il l'a dit. Il l'a dit. Il a dit. Et donc, dans la scène que vous décrivez c'est quand il reçoit euh, les assaillants sur son lit, euh, on, on lui signifie qu'il euh, qu renonce au pontificat et, et il dit euh, :« Voici la tête, voici le col, euh, disant :« Vous pouvez me trancher la tête, mais vous me ferez pas abdiquer. » Alors, nous avons fait une émission sur la réforme grégorienne, sur le fameux moment de Canossa où euh, le l'empereur henri iv voilà se met à genoux à canossa d'où euh, l'expression est-ce que philippe le bel au fond venge henri iv euh, et euh, en soi est-ce que anani est une réponse à, à canossa je ne, je ne dirai pas ça je ne le je ne crois pas non plus en réfléchissant, non, parce que l'Allemagne euh, et la France sont de grands adversaires euh, au Moyen Âge, même si sous Philippe le Bel, il y a eu quelques alliances à certains moments avec les empereurs qui se sont succédés. Euh, euh, tant que le pape, la papauté, fait valoir une doctrine théocratique, une doctrine de domination sur l'empereur germanique, ça fonctionne. Il euh, y a Canossa, il euh, y a Alexandre III et Frédéric Barberousse, il euh, y a Grégoire IX qui, euh, et, et Innocent IV qui obtiennent, si je puis dire, euh, qui, qui déposent et qui excommunient euh, Frédéric II, euh, Hohenstaufen. Euh, voilà. Mais dès lors qu'un pape prétend euh, défendre la même ligne, euh, la même théologie politique vis-à-vis -vis du royaume de France, qui est trop puissant, euh, eh bien, c'était voué à l'échec. C'était voué à l'échec. D'autant que nous oui. je, je reviens sur cette idée euh, je, que j'évoque dans le livre, que je souligne dans, dans ce, livre, ce petit livre, euh, c'est que euh, le clergé français... Il est, il, est, il est complice, de, par l'acheter souvent, de, de Nogaré, cette expédition. Au début, il résiste un petit peu. Après une première bulle, il accepte même quelques dizaines, il y a une trentaine d'évêques et d'abbés qui se rendent, qui acceptent de se rendre auprès de Boniface VIII pour négocier un petit peu. Et puis après, au Nam sanctam à ce moment-là, le clergé, dans son immense majorité, suit comme un seul homme euh, F F Philippe Lebel mm. en disant: ben nous on n'en on, on veut pas l'institution mais enfin si ce pape est vraiment mauvais ben on va le juger, il faut le juger puis le déposer éventuellement. Mm. Mais c'est la fin de la théocratie pontificale en tous les cas. Est-ce que c'est la fin Parce que. Euh, c'est pas euh, la fin du rêve théocratique non, des C'est pas la bon, fin du rêve théocratique. Ah Il oui. Oui, faut, oui. faut garder en tête que, euh, longtemps après, euh, Robert Berlhermin, qui est le premier à proposer une alternative à, à la théorie des deux glaives, euh, donc le pouvoir indirect des papes sur le temporel, Robert Panama était excommunié pour ça c'est un saint maintenant, c'est un saint docteur de l'église mais il a été excommunié pour ça donc euh, jusqu'au concile de Trente euh, les papes ont toujours maintenu cette doctrine de deux toute la cour de Rome a maintenu cette, cette théorie de deux euh, et ils ne l'ont jamais en fait révoqué, ils l'ont abandonné mais ils ne l'ont jamais révoqué et côté français on a toujours pour, on a poursuivi euh, jusqu'à jusqu Louis XIV, euh, ce rêve d'unité mmh. qui était celui de, de Philippe le Bel et de son gouvernement, hein, la, la soumission de l'Occident chrétien à une monarchie très chrétienne qui ferait du pape un simple ministre des cultes. Mmh. C'est le rêve carolingien, euh, c'est un rêve. C est, c est, c est, avant, c'est ce l'exemple constantinien, le mmh. rêve carolingien, c'était celui de Philippe le Bel. Euh, qui euh, inaugure le, un gallicanisme euh, dominé par euh, l'autorité euh, gouvernementale, fiscale, judiciaire de la royauté. Et puis ce rêve sera repris euh, par Napoléon, euh, Napoléon Bonaparte, qui commet un nouvel ananie à l'envers, si je puis dire, puisqu'il est fait emprisonner le pape. Hein D'abord, <laughs> il envahit les États pontificaux, et là, ça dure. Ça ne dure pas deux ou trois jours, comme un ananie. Et puis ensuite, il fait prisonnier le pape à Savone, il l'amène à Fontainebleau pour le forcer à nouveau concordat. Et donc, euh, euh, ce, ce, il y a eu euh, dans l'histoire euh, politique euh, cette euh, nostalgie qui remonte à l'Antiquité de, de la soumission du monde occidental chrétien à un principe d'unité. Les papes ont poursuivi ce rêve au moins jusqu'au XVIe siècle. Et, et, et les rois de France, euh, un petit peu plus longtemps, et ce rêve, on le retrouve même aujourd'hui, euh, à travers l'idée qu'il faut une, une seule législation pour l'Europe. Euh, voilà. mmh. Alors on comprend bien que Philippe le Bel, surtout en allant jusqu'à euh, Napoléon, euh, Napoléon Bonaparte, puis ensuite Napoléon, on comprend bien que Philippe le s'inscrit dans cette modernité, et c'est ce que montre très très bien votre ouvrage. Euh, Comment Boniface VIII, lui, s'inscrit dans, 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 dans cette modernité pour moi, c'est vraiment le premier grand pape de la Renaissance. À la fois pour ses mœurs, qui sont pas du tout des mœurs. C'est pas c'est pas saint Grégoire VII. Hein, c'est pas c'est pas un moine qui est arrivé sur le trône de Saint Pierre. Donc, c'est enfin, manifestement, il se moque éperdument d'ailleurs de, 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 du sujet de l'orthodoxie des mœurs, si je puis dire, de l'orthopraxie. Par ailleurs, euh, il est très théâtral, très dans l'autoreprésentation, comme beaucoup de grands papes de la Renaissance. Euh, et et puis, euh, ça, ça reste aussi un, un grand souverain euh, temporel. À la fois très cultivé, euh, c'est pas un homme méprisable euh, Boniface VIII, c'est un, un, un homme de très haut niveau. Euh, à à l'époque, euh, donc la cour de Rome attire évidemment beaucoup d'intelligence et euh, bien avant d'être pape, il est reconnu comme le plus grand canoniste de la Curie, ce qui veut dire euh, que ça, ça doit être un, un homme extrêmement supérieur du point de vue intellectuel. Donc euh, c'est très euh, encore une fois cette, cette tradition là va, va perdurer pendant longtemps euh, à Rome. Euh, tous les grands papes de la Renaissance sont des des gens à la fois géniaux dans le, en matière artistique, ils ont, ils ont ce talent de trouver des, des personnes qui mettent en, en scène leur propre gloire. Euh, ils sont euh, par ailleurs extraordinairement cultivés et ils sont capables de, de tenir la conversation avec n'importe qui. Donc ça, ça fait partie de... Pour moi, c'est vraiment le premier grand pape de la Renaissance. Mmh. Mmh. Alors il nous reste euh, trois minutes. Il y a une phrase qui m'a marqué dans votre ouvrage, Guillaume de Thiolois. Dans votre conclusion, je vous cite, la politique, après l'affaire d'Anani, ne sera plus affaire de personnes, de seigneurs, de vassaux, de saints pères et de fils très chers. Elle ne sera plus qu'affaire de rapports de force entre ces entités aveugles et abstraites que deviendront plus tard les États-nations européens. Il y, a un, il y a un avant et un après, Anani en fait, euh, je ne pourrais pas dire qu'il y a un avant et un après Anani, Enfin, Anani est un événement, encore une fois, inouï. Mais euh, Jacques Crénien disait très bien, il y a, y a une logique au principe. Euh, quand vous avez le principe capétien d'indépendance temporelle, ça ne peut pas manquer de s'affronter tôt ou tard avec la suprématie spirituelle. Quand vous avez le principe de, de, de théocratie pontificale, ça ne peut pas manquer de s'affronter tôt ou tard avec les, les pouvoirs temporels. Et donc, euh, ces, ces principes-là, évidemment, datent de bien avant Anani. Mais, et à Anani, il se télescope et à ce moment-là, effectivement, après, les... après se... j'allais dire, on se moque un peu de la qualité des chefs d'État. C'est l'État qui est en cause. Hmm. Euh, Jusqu'à Philippe le Bel, vous avez... Alors évidemment, on a toujours besoin de grands chefs d'État. Hein. Ce n'est pas du tout pour mépriser ça ou de grands papes. Mais, euh, mais c est, c est, euh... vous voyez, par exemple, pendant tout le XIVe, XVe siècle, vous avez des, des rois relativement médiocre, voire complètement nul. et pourtant l'état perdure. Hmm. et euh, parce que des, des génies comme philippe lebel, comme philippe auguste, comme saint-louis ont préparé le terrain, et après, ça peut, ça peut suivre son air en quelque sorte. et aujourd'hui, vous avez pardon, d'être grossier, mais vous avez des gens qui sont très médiocres, euh, souvent à la tête de l'état. ça n'empêche pas que l'état perdure. Hmm. Euh, donc, euh, simplement parce que les principes ont cessé de s'incarner dans les personnes et sont devenus autonomes en quelque sorte. Mmh. d'où cette modernité de, de, de philippe lebel jacques Rinen. Oui, oui, euh, modernité, oui, c'est-à-dire que ce qui est un petit peu embarrassant et désagréable pour, pour les historiens du Moyen Âge, c'est que la modernité, les non médiévistes la font commencer au XVIe siècle. Mm. Euh, bon, la France est grande, la France est un État euh, indépendant euh, avant, avant François Ier. Mm. Or, euh, l'opinion commune, disons, estime toujours que la modernité ça commence ça commence au XVIe siècle. Non, elle ne commence pas au XVIe siècle. Et on voit très bien que dès le XIIe, XIIIe siècle, la qualité des, des dirigeants... Et du personnel dirigeant dans l'Église et dans l'État, ce sont des gens d'une immense culture. Alors quand ils se battent, eh bien, ils s'envoient des coups au-dessous de la ceinture. Mais en même temps, c'est très profond. Il y a beaucoup de rudesse et beaucoup de profondeur, beaucoup d'élégance, beaucoup de grossièreté. Et, et c'est cela le Moyen Âge qui est fascinant et ce qui est, ce qui est très intéressant à cette époque-là. Donc Jacques Crinen, Philippe Lebel, La puissance et la grandeur, un livre paru chez Gallimard qui vient de sortir. N'hésitez pas à acheter ce livre dans, paru dans la collection des hommes qui ont fait la France. Toujours chez le même éditeur, un livre plus ancien, Guillaume de Tuelois, Le pape et le roi. Anani, dans la fameuse collection des Journées qui ont fait la France. Et nous avons parlé de ce livre euh, d'Agostino Paravicini, qui est euh, peut-être le plus grand médiéviste de sa génération, euh, qui est encore sur cette terre et qui euh, fait des ouvrages magnifiques. Bon, Boniface VIII, un ouvrage paru chez Payot. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur KTO TV. Nous avons parlé du gallicanisme, nous avons parlé du conciliarisme. Tout ça, ce sont des émissions que vous pouvez retrouver dans nos archives. Donc n'hésitez pas à les voir, à les écouter, à les diffuser autour de vous. Et rendez-vous aussi chez notre partenaire storiavoce.com pour tous les amoureux de l'histoire. Un grand merci à vous et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de Risques de l'Histoire. thank you